Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais faire le sakasaka une fois de plus qu'on appelle le pondu et cette fois-ci on va aller au nord de mon pays et on va faire le pondu mai mai. Alors j'ai 3 sachets de pondu qui est en train de bouillir et j'ai mis le sel et j'ai les ingrédients comme 3 grosses poivrons. 2 gros aubergines, 6 boulettes, poireaux, et puis j'ai 3 grosses oignons, 4 et puis l'ail. Voilà, et le gingembre, je vais écraser et. On va mettre le poisson, c'est encore dans l'eau. On va mettre le poisson, ok. Et nous avons l'ail et les oignons. Voilà. Je vais apprêter les ingrédients pendant que le pondu est en train de bouillir. Avant de mettre les ingrédients, il faut être sûr que le pondu est cuit. Parce que si ce n'est pas bien cuit, ça devient amer. Et ce n'est pas agréable de manger. Donc on va laisser cuire. On ne couvre pas pour que l'odeur sorte. C'est comme ça ma mère faisait. Les vieilles mamans, les vraies femmes qui savent préparer le pondu, c'est comme ça. Vous laissez ouvert pendant que ça boue et l'odeur va sortir et on se retrouve après. Bisous. Bye. Là, ça fait presque 1h30 que je suis en train de faire bouillir. Ma caméra est en train de me jouer un tour là, je ne comprends pas. Alors ça, ça fait presque 1h30 que je suis en train de bouillir. Et ici, j'ai le poisson. Et j'attends que ça se refroidisse. Je vais enlever les arêtes. Et à cette étape, je veux commencer à mettre... je mets le green pepper. J'avais déjà mis l'aubergine. Hein? Je mets le green pepper, je mets l'oignon, ciboulette et poireau. Et puis je mets l'ail et le gingembre. L'ail et le gingembre. Et je vais bien mixer. Et comme je l'ai toujours dit, dans le temps, le pondu, c'est un repas qui se préparait pendant 2 heures. Moi, je me rappelle, chez nous, on le préparait le vendredi. Vendredi toute la journée et ça se mangeait le samedi. 2 fois le dimanche. Voilà. Et au village même, on fait comme ça, on laisse. On part dormir, on revient, on fait encore, le matin, on part au champ, on revient. On fait le feu, on remet ça encore, ça va bouillir pendant des heures et des heures. Comme tout est modernisé maintenant, et voilà. Mais je fais quand même bouillir mon pondu pendant des heures, hein. C'est resté. Alors, là, je vais ajouter. Ouf. Ma caméra est en train de me jouer un tour bizarre là, vraiment.
Jeter, tout a bien mijoté, voilà. J'avais mis beaucoup d'eau jusque là, vous voyez, ou même. L'huile de palme est bien, bien, bien mélangée dedans, bien, bien. Et ce que je veux faire, je vais ajouter le poisson que j'ai bien retiré les arêtes. Voilà. Et j'avais mis le cube un peu tôt. Ok, alors je vais laisser mijoter 30 minutes ou 35 minutes, vraiment à feu doux. À feu doux. Voilà. Et après, c'est prêt. J'avais mis le piment vert, hein, ça se fait pleuvoir. Alors à cette étape, on peut déjà servir, hein, c'est déjà prêt. Sans même le poisson, on peut servir. Voilà. Alors là, on peut couvrir pour que l'odeur, la saveur reste bien dans la marmite. Et on va mijoter 30 à 35 minutes à vraiment feu doux. Et puis, hop, c'est bon. Alors, voici vraiment notre pondu mai mai, comment ça se présente. Voilà. Il n'y a pas la pâte d'arachide. Ok, c'est vraiment presque la fin. C'est la fin. On peut déjà servir comme ça. Vous voyez comment il y a la soupe. Il y a les maï maï. Vous voyez comment ça. Ils ont bien à la kacha nzon. Ils ont bien. Hein? Toko tia boitou. Et puis toko bandiko. Balobarani na lingala. To bandiko peko. Ko sala loko la masua. To kene nangambo moussous. Tozo kene nangambo. Tozo kene nangambo. Voilà, alors je vous dis à très bientôt, peut-être si je n'ai pas l'occasion de filmer quand je veux le manger. Alors on se retrouve dans une autre vidéo. Bisous, bye bye.